Un plaisir immense de commencer cette semaine avec vous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous dans la grande tribune de ce jour. Nous sommes le 29 mai 2023, plus que quelques jours nous séparent du mois de juin, sixième mois de l'année. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Eh bien, comme vous le savez, l'actualité reste dominée par la visite du chef de l'État congolais dans l'Empire du Milieu, la Chine. En marge de cette visite, quatre importants accords ont été signés. Le mémorandum d'entente sur l'investissement et exploitation écologique des ressources naturelles, un mémorandum d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information, un mémorandum d'entente sur la coopération dans le développement de l'économie numérique, un mémorandum d'entente également de développement et d'une croissance verte, un accord de coopération entre les deux chaînes nationales de télévision, CGTN et la RTNC. Voilà, voilà sur quoi nous allons nous appesantir. Nous allons revenir sur, sur ce contrat chinois, le contrat sino-congolais qui a été signé en 2008 sous la gouvernance du président Kabila. Cette visite du président Tshisekedi est portée essentiellement sur la possibilité de la révisitation de ce protocole d'accord entre Chinois et Congolais. Mais entre-temps, l'actualité en RDC reste dominée notamment par ces nouvelles. Le directeur de cabinet de Jean-Pierre Bemba, arrêté par le service des renseignements, a été libéré. Si officiellement on évoque un dossier en lien avec le cabinet du ministre de la Défense sortant, d'autres sources révèlent plutôt d'autres raisons. C'est une information qui a été publiée depuis ce matin. L'enrôlement a été difficile dans l'est du pays, avec un accès difficile dans certains endroits. La CENI a perdu 36 personnes, des agents y compris, et policiers. Ça, c'est Denis Kadima qui fait sa tournée européenne. Il s'est donc exprimé devant les parlementaires européens. Voilà, on va donc revenir sur ces propos du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, qui a fait savoir que si Moïse Katumbi combat Tshisekedi, ce n'est pas parce que il gère mal le pays, c'est parce qu'il est Moulouba. C'est ce qu'il a dit à son retour de Belgique. En réponse, le secrétaire général d'Ensemble pour la République a répliqué pour dire « Il ne faut pas que les gens nous disent que nous combattons le président Félix Tshisekedi. » Lorsque le président Moïse Katumbi avait déclaré qu'il va s'opposer au troisième faux pénalty, ce n'était pas contre Tshisekedi, c'était un autre Katangais comme lui. Voilà, mesdames et messieurs, on va se limiter pour l'instant là, avant de lancer donc les hostilités entre les débatteurs sur ce plateau. Je suis avec trois invités avec qui nous allons échanger sur une thématique donnée. Contrat chinois. Contrat chinois, comment faire, quelles possibilités pour la révisitation? On se souvient que l'ambassadeur chinois avait déclaré que les intérêts chinois seront donc préservés de fond en comble. Il remettait même en question ce rapport de l'IGF. Eh bien, la visite du président, c'était justement pour assurer la révisitation de ce contrat chinois, chino-congolais, sino-congolais plutôt, qui est déséquilibré pour la partie congolaise. Trois invités, je l'ai dit. Maître Bamanaï, il nous fait l'honneur. Bonjour, Maître Bamanaï. Bonjour, Antoine. Bonjour à mes co-débatteurs. Bonjour à toute l'équipe technique, bonjour à tous les Congolais de tous bords, là où ils se trouvent, que ce soit ceux qui sont ici en République démocratique du Congo ou ceux qui sont au niveau de la diaspora. Et je salue aussi mon épouse et ma fille, tout en passant à mon secrétaire général, Augustin Kabuya. AK-47, comme vous l'appelez. Augustin Kabuya Chulumbay, donc sans oublier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a vraiment fait un grand honneur avec son dernier déplacement en Chine. En Chine. Maître Claude Ngoma, bonjour. Cadre de Nouvel Élan. Bonjour, maître. Bonjour, Dan. Bonjour à, à mes débatteurs de cet avant-midi et à la grande équipe technique qui sont arrangés derrière les caméras. Je leur souhaite aussi bon début de semaine. Mm-hmm. Et donc, je suis là pour parler République et je suis là pour plaider pour un débat républicain. Merci beaucoup, maître Ngoma. Il est directeur général d'une entreprise congolaise, l'une des rares d'ailleurs, hein,
Bonjour, monsieur le DG Mathieu Takizala. Je vous remercie. Je remercie aussi les deux co-débatteurs qui sont avec moi, en particulier vous-même aussi, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on invite les gens, et surtout que les sujets sont majeurs. Mm-hmm. Et le monde est en ébullition, et je ne manquerai pas d'encourager tous les entrepreneurs qui sont joués avec le Mokati du Congo, parce qu'un pays sans entreprise, c'est la ruine. Malgré tout, les inflations, parce que le chiffre d'affaires parmi les chefs d'entreprise, nous sommes vraiment en difficulté dans le territoire parce que l'informel est supérieur. Mm-hmm. Je pense que nous devons tenir cap. Donc c'est comme ça que les nations se construisent. Et nous demandons à ceux qui nous dirigent de regarder aussi du côté du secteur privé, parce que le secteur privé congolais, depuis 2000, depuis 72, vraiment, nous sommes en difficulté. Il faut que le président Tshisekedi comprenne que il faut faire la route avec les chefs d'entreprise. Il faut accompagner les chefs d'entreprise. Il faut se déplacer avec les chefs d'entreprise. Mmh. Et c'est comme ça qu'on peut faire un pays quand même beau, quoi. Plus beau qu'avant. Plus beau qu'avant, il faut accompagner les chefs d'entreprise. Il y en a plus assez. Hein. Les Mounza Bonanza sont partis, les Kindwelo, les Dekolo, tout ça, ainsi de suite. Et aujourd'hui, l'économie congolaise, d'un côté, l'informel, de l'autre côté, les groupes qui sont venus d'ailleurs, et nous, qui sommes les nationaux, parents pauvres du système. Parents pauvres du système. Maître Ngoma, un biscuit? Oui, ça ne manque pas. Le biscuit ne manque pas parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, l'insécurité bat son plein sur toute l'étendue de la République et essentiellement à Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, je vous dis, des familles commencent à abandonner des maisons, à chercher où s'abriter parce que aujourd'hui, l'insécurité est arrivée jusqu'au salon, à nos salons. Il y a pas mal de familles qui sont visitées. Pourquoi? Parce que la police ne remplit pas sa mission. Mm-hmm. La police n'est pas à la hauteur de ses fonctions. Parce que, figurez-vous, la police a ses rôles, a un rôle primo de protéger les concitoyens et leurs biens. Mm-hmm. Et quand vous avez une police qui failli à sa mission, je me dis il y a un problème. D'où il y a cette nécessité de réorganiser notre police. Mmh. Nous devons réorganiser notre police parce que ici, le banditisme urbain toujours grandissant et nous ne savons plus comment nous sécuriser. Et donc la population aujourd'hui est abandonnée à leur propre triste sort. D'accord. Face à une police qui n'est pas équipée, une police où l'effectif pose problème, une police qui n'a pas une logistique adaptée aux réalités, et donc nous ne savons pas comment nous devons nous sécuriser, parce qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État qui s'est fait sentir dans le coin et recoin de la ville province de Kinshasa. Et ici, j'interpelle monsieur le ministre, le VPM. Il a dit que depuis qu'il est là, il y a quand même un certain semblant de retour à la sécurité. Il y a un retour à la sécurité dans la ville de Kinshasa. Non, peut-être lui se sent maintenant sécurisé parce qu'il est devenu VPM. Comment voulez-vous comprendre? Pour une autorité, à elle seule, elle a au moins 7, 8, 10 policiers. Mais dans un souciat, vous n'avez que 4 policiers pour protéger tout un département. Toute une commune, tout un quartier, ça pose problème. Ça pose problème. Et ici, je vais vous dire, mon cher ami, quand vous parcourez le rue de Kinshasa, sur le 387 souciates qui compte la 387 souciates qui compte la ville province de Kinshasa, vous verrez que tous les souciates sont des souciates de fortune. Ou vous voyez même le drapeau qui est le symbole de l'unité nationale en lambeau. Et donc, ça pose problème. Il faut penser à réorganiser notre police, à les doter, à mettre des moyens. Nous ne pouvions plus encore commencer à attendre l'Union européenne ou une ONG à venir nous construire des souciates. Ce n'est plus encore l'heure. Donc, ici, moi, j'interpelle M. le VPM, Peter Kazadi, de faire ses plaidoyers au niveau du gouvernement central, afin que ces derniers puissent mettre des moyens et accompagner cette police. D'accord. J'ai dit. Merci. Maître Bamanaï, un biscuit aussi? Bon, je pense que le biscuit, s'il faut aller dans aborder les choses dans le sens de ce que venait de dire mon prédécesseur tout à l'heure, je pense que ce biscuit va aller dans ce sens-là.
Et c'est avec beaucoup de regrets que nous constatons et ce qu'on appelle le poste de police ou les sous-siats ou les siats chez nous ici au Congo. Il nous suffit seulement de traverser, au Congo, de traverser ici au Congo-Brazzaville. Nous avons ce qu'on appelle les PSP. Quand vous voyez au niveau de chaque PSP, non seulement qu'ils ont de beaux bâtiments, mais ils ont une grande cour qui sert de ce qu'on appelle des fourrières. Vous n'avez pas de fourrières centralisées, il y a des fourrières dans chaque PSP. Ici, c'est d'abord un problème avec ce que nous avons comme sous-siat. Quand vous voyez le nom de sous-siat, un sous-siat qu'on appelle Mbata, les noms sont toujours terre à terre. Donc il faut essayer de travailler pour redorer l'image et de la police et de leur lieu de travail. On ne va pas chercher un sourcil derrière. Comprenez? Non, non, je pense qu'il faut mettre du sérieux dans tout cela. Pourquoi? Parce que durant au moins 18 ans, nos services de défense et de sécurité ont été mis là. Vous en comprenez? Plus de 18 ans. Durant plus de 18 ans. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'avec le fait Maréchal Mobutu, oui, nous avons connu ce qu'on a appelé la gendarmerie nationale. Nous avons connu, dans la gendarmerie nationale, nous connaissions une brigade qu'on appelait BEM, brigade mobile. Et brigade mobile, quand ils vous passaient, ils avaient deux marques de véhicules qu'on connaissait, même trois. Il y avait la voiture qu'on appelait Nova, pour ceux qui sont nés ici à Kinshasa. Quand la voiture Nova, la voiture Nova passait, en tout cas, tu te dis, Nzambena, je m'excuse de le dire ça, Lingala, Nakwe, Yaona Salanini, quel est mon problème et tout ça là. C'était des gens qui ne jouaient pas, c'était des éléments de la sécurité qu'on ne faisait pas sortir n'importe comment. Donc l'équivalent de la brigade mobile aujourd'hui, dans un pays tel que l'Allemagne, on les appelle des cripos, la police criminelle. C'est une police qui ne sort pas n'importe comment. Donc aujourd'hui, si vous êtes en Allemagne, on vous envoie la police ordinaire, vous n'avez pas de tout ceci. Mais quand les cripos viennent, votre sort est réglé. L'équivalent des cripos en Hollande, ils sont des marchaussés. C'est la même chaussée. Chose. Et l'équivalent des marchaussés en France, on les appelle des CRS. Et l'équivalent de tout cela, quand vous allez en Angola, ici, on les appelle des émergenciens. Vous comprenez? Ce sont des policiers qui ne sortent pas n'importe comment et ce sont des policiers qui ne blaguent pas avec la population. Quand ils viennent, c'est pour la sanction, alors la sanction la plus drastique et coriace qui puisse exister. Merci. Donc ce sont des vrais canailles. Quand ils sortent, c'est qu'ils ont trouvé qu'ils ont affaire à un bandit ou à un délinquant ou à quelqu'un qui est un délinquant, quelqu'un qui est en conflit avec, la loi. Donc ils ignorent la loi des grands chemins. Vous voyez, aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe avec nos policiers sur la place publique ici, où les gens de 207 et ceci, c'est là, personne ne respecte, même moi-même par moment. Par moment, vous voyez un policier qui vous arrête, vous lui posez la question, mais je vois les contraventions en train de circuler tout autour ici. Vous avez choisi seulement la voiture de l'X. Pourquoi? Parce que ces gens ne se sont pas donné eux-mêmes de la valeur. Nous voulons qu'au niveau même, au sommet de l'État, qu'on puisse y penser. D'accord, maître. Merci beaucoup. Les mettre dans de bonnes conditions de travail. Il faut aussi penser, maître, nous on a connu ce qu'on appelait mutation, mélanger culturellement les gens, les uns et les autres. Oui. Et aujourd'hui, on ne peut plus accepter qu'un enfant qui est recruté dans la ville de Kinshasa, dans le métier de l'ordre public, et qui soit resté à Kinshasa. Il faut l'amener dans un autre coin. Parce qu'à Kinshasa, ils se connaissent avec les amis qui sont civils. On ne va pas faire l'ordre public. Il faut vraiment phénomène de mutation, qu'ils soient même dans l'administration. Aujourd'hui, l'administration, on dirait, moi j'ai l'impression que le Congo, c'est uniquement Kinshasa. Ou les trois provinces, or qu'on a 26 provinces. Il faut vraiment qu'on décentralise les gestes en démocratie du Congo. Et même à Kinshasa, vous ne voyez pas que la place Kalina est devenue uniquement l'unique coin où les gens peuvent vivre, mais à Kisensu. Donc il ne fait pas vivre, il n'y a pas de travail, rien de tout. Donc aujourd'hui, lorsqu'on recrute un policier en démocratie du Congo, s'il est de Mufutoto, il faut l'amener même de l'autre côté. C'est ce que Mobutu faisait à l'époque. Les choses peuvent avancer. Vous recrutez quelqu'un qui quitte, vous laissez qui quitte, qu'est-ce qu'il va faire? Il connaît tout le monde. Et puis, les camps. Nous, quand on grandissait ici, les camps, on ne voyait pas les gens dans la rue sans l'ordre des déplacements. Et donc, pour être dans la rue, où ils sont en groupe, les professionnels de la sécurité. Très bien. Et, donc, et puis, le PP, ce qui contrôlait les éléments de l'ordre de la police. Il faut que ça retourne. J'allais chuter en disant même que sous d'autres cieux, lorsqu'on vous dit que la police est devant votre porte. Mais si vous avez des problèmes de rétention, vous comprenez?
Et comment on appelle ça des... Bon, vous comprenez de quoi je veux parler. Donc, vous libérez directement la substance et avant que la police ne mette la main sur vous. Donc, il faut vraiment non seulement qu'on construise des bureaux de police, des postes de police, mais aussi qu'on pense à construire des fourrières. Puis c'est quand la police de roulage arrête, il ne faut pas que les véhicules d'autrui arrêtés en bon état, sans problème, et les rétroviseurs, le feu de signalisation, tout est en place, et que la voiture, quand elle est amenée dans aux fourrières, quelques temps après, vous revenez plus des rétroviseurs, soit de se casser. Et là, d'où la nécessité aussi mettre dans ces secteurs, parce que je suis dans ces secteurs, et le secteur privé a un rôle. Parce que le fourrière, logiquement, l'agent de l'ordre public, il vient, il appréhende. Il doit appeler un professionnel. Tout à fait. Il faut qu'on puisse avoir des professionnels sectoriels, y compris le rôle des. Sonas doit faire son travail. Et je te soutiens dans ce sens. Il faut que vraiment le professionnel soit dedans. Sous d'autres essais, dans le pays des êtres normaux, il y a des gens qui vous font venir des véhicules qu'on appelle les towing. Les towing sont des privés qui sont en partenariat avec la police. Voilà. Vous voyez le véhicule qui soulève là, je crois que Mobila a essayé de faire, ça n'a pas encore de l'ampleur. Il faut amplifier le métier des garagistes aujourd'hui avec démocratie du Congo. Il y a des difficultés. Je chute en disant qu'on construit même des parkings privés. Vous voyez des immeubles comme ça qui peuvent vous prendre plus de 400 voitures. Ce sont des parkings privés pour éviter toute la saleté qu'on a dans la ville ici. Je crois avoir dit. Merci beaucoup pour cet entame de l'émission. Messieurs, on va donc prendre notre sujet du jour. Contrat RDC Chine, comment assurer la révisitation? C'est parti de la visite du chef de l'État en Chine pendant 4 jours, où il y a eu quelques mémorandums qui ont été signés. Un contrat avec la chaîne chinoise et la chaîne congolaise. La moisson est-elle maigre par rapport aux attentes? Je peux quand même revenir sur justement ce contrat chinois signé en 2008. La partie chinoise représentée par la SICOMINE et l'ambassadeur de Chine dans le cadre du contrat minier Chine-RDC a rapporté avoir réalisé 43 infrastructures en RDC selon le cahier des charges. Elle a fait cette mise au point au cours d'une conférence de presse à la résidence de l'ambassadeur de Chine en poste à Kinshasa, selon le secrétaire du conseil d'administration de la SICOMINE, Diao Yinx. Les infrastructures listées dans l'annexe de la convention de 2008, dont la trentaine d'hôpitaux, les 300 km des chemins de fer, la réhabilitation des aéroports de Kavumbu et Goma n'étaient qu'un chapelet d'intention. Les projets présentés par le gouvernement congolais ultérieurement ne sont pas forcément des projets dans cette liste qui est en tant que telle une liste à titre indicatif. Donc les projets réalisés par la SICOMINE ne sont pas forcément des projets dans cette liste. La SICOMINE et les parties prenantes se disent ouvertes au dialogue pour trouver des solutions d'optimisation du contrat minier entre la RDC et les entreprises chinoises. Pour la partie chinoise, il est normal qu'il y ait des contentieux, mais qui doivent se régler via des solutions amicales pour l'intérêt des deux parties. La SICOMINE estime que l'agence congolaise des grands travaux devra répondre à la question de la surfacturation des travaux. Pour sa part, l'ambassadeur chinois Zhu Jing a estimé que ce contrat n'est pas gagnant-perdant, comme l'atteste l'inspection générale des finances, mais plutôt gagnant-gagnant au regard des données dont dispose la partie chinoise. Enfin, les entreprises chinoises n'ont pas le droit de dire tel ou tel projet d'infrastructure sera réalisé. Tous les projets d'infrastructure sont décidés et proposés par les gouvernements congolais. La liste dont il est question... ce n'est pas une liste d'engagement, c'est plutôt un pool de projets que le gouvernement congolais envisage de faire, a précisé le diplomate chinois qui se prononçait sur ce rapport de l'IGF et tout le rebondissement médiatique qui s'en est suivi. Mesdames et messieurs, comment assurer la révisitation de ce contrat sino-congolais, Chine et GEC, groupe d'entreprises chinoises? Je commence avec vous d'abord, avant de répondre à cette question, monsieur le DG Mathieu Takizala de Spécial Autogarage, SAG, en tant qu'entrepreneur, comment comprenez-vous d'abord, quelle a été l'utilité de la visite du président? Est-ce que vous êtes satisfait de la visite du président congolais en Chine au regard des attentes de la population par rapport à ce contrat? Bon, avant que M. Tshisekedi soit en Chine, on a vu Emmanuel Macron était en Chine 2 fois. Le premier visite d'Emmanuel Macron en Chine, dans ses valises, comme on dit,
il y avait 50 chefs d'entreprise qui représentaient tout le secteur de l'économie nationale française, y compris l'agriculture qui est devenue un vrai problème aujourd'hui. Ça fait près des années où le bovine français ne rentrait pas dans le marché chinois. Et l'arrivée d'une visite officielle d'Emmanuel Macron, ça permet que les industriels du monde bovine français puissent injecter le produit dans le marché chinois. La deuxième visite, le président Macron, 50 chefs d'entreprise encore. Il a visité la Chine en espace de... Deux fois. En l'espace de 3 mois. Non, il a visité 2 fois la Chine depuis qu'il est au pouvoir. Deuxième fois, il n'y a pas longtemps ici, il était en Chine. Et il arrive encore avec... Parce que vous savez, quand un chef de l'État va ailleurs, il jauge d'abord quels sont les vrais problèmes de son pays. Et dans chaque secteur, il doit avoir le représentant du secteur qui va être celui-là. Parce que le chef de l'État, c'est un VP. C'est celui qui permet à tout, c'est comme un coach, qui permet à tout le secteur, à tous les joueurs d'y jouer. Là, aujourd'hui, du côté congolais, nous voyons que le président Tshisekedi, le contrat a été signé en 2008. Ces contrats, normalement, l'exécution de ces contrats du côté chinois, vous voyez, on ne parle pas de l'État chinois, on parle de concession des entreprises chinoises. Logique. C'est vrai, le capitalisme chinois est d'État, puisque les banques, ainsi de suite, mais ils exercent à travers tout le pays du monde, avec leurs entreprises, avec leurs entrepreneurs. Normalement, il fallait qu'ils mettent 9 milliards en travaux du côté chinois. Et les 9 milliards, l'accord, 6 milliards. Du côté congolais, on était représenté uniquement par la GECAMIN, qui devait donner les concessions minières et pour qu'ils créent une jeune venture qu'on appelle aujourd'hui sino-congolaise. Une jeune venture. Et cette société-là, même dans la capitalisation, les Chinois avaient 68%. Les Congolais avaient 32%. L'exécution. Maintenant, du côté congolais, le nombre de kilomètres de routes qui ont été prévus, Bordouille, ils ont fait à peu près 500 kilomètres avec des surfacturations où tout le monde est en intérêt. Mais moi, comme entrepreneur et économiste, qu'est-ce que je trouve que nous ne rentrons pas en phase du 21e siècle? Pourquoi? Nous sommes un pays en chômage de masse. Nous sommes un pays avec l'économie du 21e siècle. Les entreprises congolaises, on ne les sent pas, même dans le marché domestique. Et lorsqu'on a ce type de contrat, nous devons profiter dans l'écosystème de faire injecter les entreprises congolaises du côté privé aussi. Mais quand vous regardez... Comment associer les entreprises privées dans ce type de contrat? Si vous voyez le développement de Singapour... Signé par l'État congolais. Oui, mais attendez, mais les entreprises aussi, c'est une manche de l'État. On fait des erreurs pendant longtemps dans ces pays, on croit que l'État c'est uniquement du côté public. Non, il n'y a pas un État où on regarde uniquement du côté public. Parce que celui qui approvisionne le système public, c'est le privé. Mais justement. Les taxes, les impôts, tout ça, ainsi de suite. Mais nous, on a fait ces erreurs-là depuis 1960. Ça veut dire que le privé, voyons, vous, de quel monde on traite ici, ils aiment bien le licre, des trucs inutiles. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez au niveau de Singapour, vous ne pouvez pas, milliards ou pas, vous créez une entreprise. Dans le sol singapourien, le capital supérieur doit être singapourien. Et c'est ce que les Qataris aussi ont fait. Ça veut dire que nous, qu'est-ce qui s'est passé? Le contrat arrive, même en exécution sur le marché congolais, c'est toujours les sociétés chinoises qui exercent. Au moment où, du côté public, nous avons l'office des routes, nous avons OVD, nous avons aussi des entreprises dans le BTP, y compris même dans le privé. Mais vous allez voir que ces contrats-là, les signaux sont ici dans la ville, hein. Si on est, vous allez voir même les emplacements publics où on a surtaillé et pourtant on avait des entreprises localement qui avaient des endroits pour la logistique où on pouvait les mouler à l'intérieur, y compris les entreprises de côté privé. Mais nous maintenant, je vois le président Tshisekedi, c'est bonne chose pour aller revoir les choses. Mais si j'étais à la place de M. Tshisekedi, mal élaboré déjà. Si j'étais à la place de M. Tshisekedi, cette fois-ci pour aller négocier, il fallait que dans la suite de M. Tshisekedi, qui puissent amener aussi les autres chefs d'entreprise du côté privé congolais. Pour que ça soit du vrai gagnant-gagnant. Vous voyez les Chinois. Il n'y a pas longtemps, les Chinois sont allés chercher pour acheter des avions. Ils ont fait aussi du troc, l'expression troc. Qu'est-ce que les Chinois ont posé chez l'avionneur européen? Le condition, c'était quoi? Les avions doivent être montés sur le sol chinois. Donc la Chine, les Américains ou les Français ne vont pas importer la masse.
Ce sont des Chinois qui vont travailler sur le terrain et les entreprises chinoises seront. C'est ce qu'on appelle le transfert. Quelles sont les entreprises congolaises qui, normalement, devraient accompagner le président de la République? Mais quand vous parlez dans ces secteurs, des entreprises dans ces congolaises secteurs, privées. Nous partons, par exemple, dans une mine. Ça pouvait être l'entreprise que je préside. Votre entreprise est dans l'automobile. Oui, mais dans le mine, vous ne pouvez pas créer sans le pelletage, sans les engins, sans tout ça. Et l'automobile est présent. Même dans le BTP, vous avez besoin des engins. Et l'expertise congolaise du côté de ces secteurs pouvait être présent. Vous comprenez? Parce qu'il y a des marques. Nous sommes en retard, cher Dan. C'est-à-dire, quand un État est en retard, il doit maintenant. Le problème vient des entrepreneurs ou non, de l'État congolais? Je crois que le système public qu'on a établi pendant 60 ans n'arrive pas à comprendre qu'un État mature, c'est aussi cette bloc entrepreneurial local. On a eu ici au passé, non? Auparavant, on a vu des Congolais. Vous pouvez me dire un politicien qui a créé une banque dans ce pays. Mais dans l'histoire de ce pays, on a vu des commerçants congolais qui ont créé des banques ici. Vous comprenez? Mais pourquoi négliger tant les Congolais qui entreprennent dans le secteur privé? Je crois que le problème, c'est qu'il y a la volonté. Parmi les choses qu'il a dit, qu'il faut créer les hommes capables à créer des emplois. Vous voyez, spécial autogarage. Vous voyez tous ces brillants-là? Ça, c'est le plan de développement de cette entreprise. Je suis en train de cocher. Vous vendez votre marque? Non, je vends pas. C'est la marque congolaise. C'est la marque congolaise. Ok, allez-y. Et quand on parle Facebook, on ne parle pas des Zuckerberg. Non, c'est ça aussi, Dan. Vous devez comprendre. Si c'était pour moi, je devais rester en France. Si c'était pour moi tout seul. Parce que je vois que dans mon pays aujourd'hui, Kinshasa, vous êtes à Maluku, vous voulez réparer le véhicule. Qui va vous faire réparer? Toujours du côté d'informel. Et ce n'est pas l'État qui va le faire ça là-bas. S'il faut avoir des entreprises du bord privé qui vont s'installer. Kinshasa, on a prévu 10 sites de spécial autogarage qui va créer 500 emplois. Parce que ce secteur est du côté de l'informel. Lubumbashi, 4. Toutes les villes. On a choisi 12 villes parce qu'on ne parle même pas en province. Parce qu'il y a des provinces sans quelque chose. Et d'où la nécessité que les officiels doivent avoir un monitoring en Pyrénées-Démocratiques du Congo, d'utiliser ceux qui ont un modèle économique qui peut permettre que leur déplacement, nous soyons là. Parce que quand on parle l'affaire, on doit avoir aussi le fond. Et le fond, c'est aussi ce que les Congolais entreprennent du côté privé. Merci beaucoup, M. Mathieu Takizala, économiste et entrepreneur, chef d'entreprise spécial Auto Garage, une entreprise qui évolue dans le secteur de l'automobile. Voilà, Maître Bamanaï, je vous propose aussi la question face à cette complexité, cette attente qui est tellement, cette attente de la population, qui de l'État congolais, je veux dire même, qui a besoin aussi de revenir sur un contrat qui sera juteux ou qui sera gagnant-gagnant, comme le veut le président Tshisekedi. Au regard de ce qui a été signé, au regard de ce qui est fait aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que la visite du président Tshisekedi a-t-elle été bénéfique pour le Congolais? Merci beaucoup, Dan. Je pense qu'en suivant mon co-débatteur là en face tout à l'heure, il a lâché quelque chose, il a parlé de ce qu'on appelle des trocs. Vous savez, les choses n'ont pas changé, mais la manière de les faire, c'est seulement la manière de les faire qui ont changé. On est passé d'une façon, d'une manière de les faire ancienne à une manière nouvelle. Vous comprenez? Ça veut dire qu'à l'époque, tu pouvais apporter ton gibier, tu mets là, moi je t'apporte, je ne sais pas, des habits ou bien je t'apporte quoi. Et cet échange-là, c'est ce qu'on appelle les trucs. Aujourd'hui, avec la modernisation, avec la... comment on appelle ça la modernité, si vous voulez bien, la mondialisation et tout ce que vous voulez, comme le monde se fait, un village planétaire, sachant que nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui en vase clos, si vous voulez, en autarcie. Donc la RDC a des choses à échanger avec les autres. Donc le sous-sol congolais regorge des minéraux appelés des minéraux stratégiques. C'est tout ce que pour le moment nous pouvons offrir. Nous avons le minerai, mais nous n'avons pas la technologie adéquate pour les transformer. D'où, durant les quelques années, de ceux qui nous ont gouvernés, les quelques gouvernants qui nous ont gouvernés par le passé, ils n'ont pas pensé à créer des industries non seulement extractives, mais aussi des transformations sur le terrain. Puisque d'une part, vous avez les industries
extractive, ce qui demande beaucoup plus une main d'œuvre hautement qualifiée. Et là, nous pouvons concéder, nous pouvons accepter que le multinational ou bien les investisseurs étrangers qui arrivent viennent investir tout en nous amenant le leur, mais sans pour autant le permettre de museler la main d'œuvre locale. Sans pour autant fermer la porte à la main d'œuvre locale. Ça veut dire quoi? Comme venait de le dire tantôt mon co-débatteur d'en face, il dit, mais même dans l'extraction minière, on a besoin de ce qu'on appelle des engins, qu'on appelle des grandes machines ou des machines, des titans. Pour manier ces machines-là, il ne faut pas forcément que ce soit l'investisseur étranger qui doit les manier. On doit apprendre à un Congolais comment manier, je ne sais pas, quelle machine qu'on appelle godet ou bien quelle machine qui a un engin. Il faut associer le capital congolais dans ce genre de contrats. Effectivement, les Congos donnent. Et ils apportent les capitaux frais. Vous comprenez? Sur le terrain, je suis pas économiste, je parle ici en tant que juriste économiste, mais je n'ai pas le même niveau de la connaissance économique que mon co-débatteur d'en face. Donc, je vais essayer de ramasser les choses à ma manière. Mais lui, il avait bien dit, donc il a utilisé même des termes qu'il faut. Mais laissez-moi vous dire ici que, donc, on est dans un monde de partenariat. Vous comprenez? Donc, on a besoin de se compléter. Aujourd'hui, quand vous voyez même dans ce qu'on appelle la fabrication de l'avion ou bien des appareils qu'on appelle Airbus, vous avez les ailes qui vous proviennent, je ne sais pas, de l'Allemagne. Vous avez les réacteurs qui vous proviennent de la Grande-Bretagne. Ce sont des moteurs, il paraît Rolls-Royce. Sont les meilleurs moteurs à réaction qui ont une grande propulsion. Vous avez les trains d'atterrissage qui vous proviennent, je ne sais pas si c'est de l'Italie ou de l'Espagne. Ainsi de suite. Les tout, ils mettent ensemble pour... Et le coin de rassemblage, c'est où? C'est à Strasbourg. Toulouse, pardon, en France. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, si ceux qui se disent des pays développés peuvent se mettre ensemble pour développer certains secteurs, donc nous ne pouvons pas nous voiler la face. Nous avons le minerai à l'état brut. Nous avons besoin non seulement des capitaux, mais la technologie aussi adéquate pour un premier. Vous comprenez cette position de l'ambassadeur chinois qui remet en cause ce rapport de l'IGF? Est-ce que vous comprenez sa posture? Une chose chez l'ambassadeur chinois est de remettre en cause le rapport de l'IGF. Mais une autre est d'apporter l'antithèse. On ne doit pas se limiter seulement à dire que ce n'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous présentez de vrai? Vous voyez que c'est des mensonges. Donc c'est un diplomate qui a raté une occasion de se taire. Son patron qui l'a envoyé, qui est de l'autre côté, comment s'est-il comporté avec notre chef? Son patron qui a envoyé, les patrons qui a envoyé ces diplomates-là. Donc pas. Ici, il faut dire que le déplacement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi en Chine, ce n'est pas pour aller signer des nouveaux contrats. Mais c'est juste pour revitaliser. Pourquoi n'a-t-il pas amené des entrepreneurs congolais, comme l'a suggéré M. Mathieu? Est-ce que ce n'était pas envisageable? Les entreprises congolaises existent. Tantôt, mon co-débatteur d'en face a dit que comment on appelle encore ce monsieur, Emmanuel Macron a effectué des voyages. Est-ce que le voyage que le président Félix Tshisekedi vient d'effectuer, c'est le premier et le dernier? Non, ça peut être le premier, mais ce n'est pas le dernier. Là où il est sur place, il a scruté, il a été chez les industriels, il a été à Shenzhen, il a été à Shanghai, il a été à Hong Kong. Il est allé s'imprégner, il est allé vivre la réalité en face. Je pense que en vivant cela, en visitant tout ce chose, il pouvait se limiter seulement à rencontrer les politiques ou bien les chefs de l'État chinois et se limiter aux politiques. Mais s'il est descendu vers les industriels, c'est parce qu'il y a un projet, parce qu'il y a un souci de développer aussi le secteur industriel de la République démocratique du Congo. Pourquoi aujourd'hui ce voyage est important? Pourquoi? Parce que la nation, ou le peuple congolais qui a toujours été relégué en second plan. Lorsque les contrats sont signés, aujourd'hui il comprend que le président Félix est descendu là-bas, non pas pour l'intérêt des gouvernants, mais beaucoup plus pour l'intérêt de la nation. Merci ici beaucoup. Il s'agit d'un contrat qui avait été déjà signé, mais qu'il faut revisiter, et que ces contrats soient les contrats d'État à État. D'accord. Contrairement à ce qui avait été fait,
où les gens prenaient de l'argent et mettaient dans leur poche, la nation ne bénéficiait absolument de rien. Merci donc beaucoup. On n'a pas chassé les Chinois, d'accord. On veut qu'ils soient là, mais on veut juste recadrer les choses. Recadrer les choses, d'accord. Merci. Maître Claude Ngoma, quelle lecture avez-vous de cette visite du président Tshisekedi en Chine? Oui, Jordan, il faut noter que d'abord, la Chine, c'est un pays ami à la RDC depuis longtemps, parce que nous notons qu'il y a plusieurs, nous avons ici, en termes d'infrastructures, plusieurs fruits de cette coopération depuis Mobutu. Nous avons le palais du peuple, qui est le résultat de cette coopération, du fruit gagnant-gagnant. Et avec le Japon également, nous avons le pont Maréchal. Vous voyez, donc nous, moi Claude Ngoma et ma famille politique, nous privilégions ces genres de coopération, ces genres d'échanges. Vous voyez, mais revenons dans les cas sous examen où nous parlons de la révisitation. D'abord, ce contrat chinois a été signé sous le monsieur Mao Zedong, Premier ministre. Non. Le contrat chinois a été négocié pendant que Mao Zedong était Premier ministre. Ça part de 2008. De 2007 à 2008. De 2008 à 2013. 2008, c'est le début des négociations. 2013, c'est la pause des signatures. Et en 2013, au mois de juillet, il y a eu premier décaissement de fonds. Parce qu'il faut comprendre avec... 2013. Oui. Signature, 2013. La signature, c'est en 2008. Non. La signature. Ce n'est pas 2008. Ce n'est pas 2008, la signature. 2008, c'est l'étape de négociation. Parce qu'on dit que le contrat a 15 ans maintenant. À 15 ans. D'existence. Au moins, ici, moi, je note les contrats à 13 ans. Ça, c'est dans le rapport de l'IGF. Voyons voir, ce sont des dates. Mais moi, je dis, parce que déjà, en 2013, vers le mois de juillet, il y a eu le premier décaissement. Parce que le contrat chinois... tout fait 9 milliards de dollars. Et dans les 9 milliards de dollars, la Chine devait donner 3 milliards, donc éponger 3 milliards en trois phases. Voyez-vous? Mais malheureusement, la RDC n'a pas bénéficié les 9 milliards de dollars parce qu'il y a eu des impératifs comment des institutions de Bretton Woods qui sont pesées pour que aujourd'hui, et pour que ces contrats soient révisités. Vous voyez? Et la RDC n'a bénéficié que 3 milliards de dollars. Ce contrat a été conclu en 2008. En 2008, hein? Oui. Merci. Sous Mao Zedong. Donc, vérifiez encore, vous verrez que le financement interviendra en 2013. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous avez vu même le régime passé, Joseph Kabila a souffert avec les Occidentaux pour ces contrats. Vous voyez, mais ce n'est pas ça le débat. Alors, voyons l'attitude de l'ambassadeur chinois qui fustige le rapport. D'abord l'attitude du président de des officiels congolais vis-à-vis de ce rapport. Ils veulent revisiter ce rapport. Oui, c'est là où je voudrais arriver. Parce que moi, j'ai dit, et je réfléchis comme ça, monsieur le président Félix-Antoine Tshilombo, c'est bien bon d'aller en Chine. Mais on devait d'abord, en interne, faire cette autocritique. Parce que l'IGF a adressé un rapport noir. Comme quoi la partie chinoise a bénéficié 10 milliards de dollars. Et que la partie RDC dans ses contrats chinois n'a bénéficié qu'à la hauteur de 800 millions de dollars des infrastructures. Moins d'un milliard. Et c'est là où il y a les débats. Avec des surfacturations. Avec des surfacturations, tout ça. Et donc, moi, j'aurais voulu que les services de la présidence de la République, notamment les conseillers et autres en la matière, de pouvoir examiner ces manques à gagner de la RDC. Et cela permettra aussi au président de la République, dans la table de négociation, pour évaluer ces contrats, il allait avoir de quoi des indicateurs solides. La réévaluation de ce contrat... où la nouvelle signature de ce contrat devait se faire avec le groupe d'entreprises chinoises ou l'État chinois lui-même. Il y en a deux. On doit d'abord réévaluer avec ces groupes signataires
des Chinois. Voyez-vous, le contrat chinois. Avant d'atteindre maintenant, de parler maintenant avec l'État. Parce que c'est des contrats. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le contrat chinois a été signé, la partie RDC et la partie chinoise représentée par des entreprises étatiques, comme venait de le dire tantôt mon frère Tagizala. Voyez-vous? Et donc, on veut dire que nous devons d'abord, au préalable, réévaluer ces contrats chinois qui a fait perdre un manque à gagner de 9,2 milliards à la RDC. Et puis, finalement, repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez, ça, c'est autre chose. Mais aussi, dans ces contrats chinois qu'on doit réévaluer, il y a des préalables aussi qu'il faut poser, mon cher ami. J'ai aimé mon frère Tagizala quand il a dit tout à l'heure que quand on va négocier... Terminez, s'il vous plaît. J'ai encore 2 minutes, mon frère. Quand on va sur un terrain des négociations, surtout de réévaluer, de parler économie, il faut se faire accompagner de la patronat congolaise. Parce que tour à tour, on en a vu, hein, Mobutu, quand il s'est déplacé, avec le patronat zaïrois. Il y avait quand même une délégation ministérielle qui a accompagné, le ministre de la Défense, le ministre des Mines, et Affaires étrangères. Les ministres ne sont que là dans un rôle politique. Les ministres ne sont que là dans un rôle politique. Non, les patrons des secteurs. Oui, le patron des secteurs, oui, mais dans un rôle politique. Mais quand on veut parler business, parce que c'est de là où il s'agit, il faut booster l'économie. Tout le contrat signé au niveau de la santé, l'armée, mines, infrastructures. Mais on doit déjà mettre au parfum ces entreprises privées, les privés congolais. Pour qu'enfin, ces derniers puissent aussi avoir l'accès dans les différents marchés et offres de marché qui va venir. D'accord. Vous voyez? Et je vais citer ici pour dire encore que... oui, j'avais noté. Le rapport de l'IGF. Monsieur l'ambassadeur chinois va fustiger les rapports de l'IGF. J'ai dit, ça ne va pas. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que l'ambassadeur puisse fustiger ces rapports? C'est tout simplement parce que nous n'avons pas comment le procureur de la République n'est pas courageux. L'IGF a fait son boulot. Mais le procureur, son rôle, c'est quoi? Arrêter. Poursuivre. Poursuivre, même avant de poursuivre, il devait déjà s'en saisir du dossier et à son tour aussi ouvrir des enquêter. Instructions judiciaires. Voilà. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, Alinguette a fait un grand boulot, mais ça reste les rapports dans le placard. Ça pose problème. Raison pour laquelle vous avez vu l'ambassadeur est sauté sur ça pour fustiger ces rapports. Alors que si le PG en son temps s'était saisi du dossier, l'ambassadeur devait s'éteindre. Parce que ce dossier devait déjà être pendant sur la table. D'accord. Oui. Donc c'est ça un peu le problème, je chute par là. Merci beaucoup, maître Claude Ngoma. Monsieur le DG, dites-nous comment, déjà la thématique du jour, comment assurer la révisitation de ce contrat et par quelle manière? Parce que l'État congolais a signé avec les entreprises privées chinoises, mais là, l'État veut négocier avec les dirigeants chinois. Comment assurer cette révisitation et comment procéder? C'est ça la question. Le contrat a des clauses, a des articles. Vous entendez avec quelqu'un pour qu'il vous réalise quelque chose et qu'il ne respecte pas le contrat, première chose, il doit dédommager. Pour qu'on recommence un autre quelque chose. Vous comprenez? Il fallait d'abord réévaluer. Parce qu'on dit, voilà, ils ont surfacturé ce qu'ils ont fait en démocratie du Congo. D'où l'apport de nous, le secteur privé. Les entrepreneurs. On devait auditer tout ce qui s'est fait. Les kilomètres de route, on sait ça coûte combien. Et quel type de matériaux qu'ils ont utilisés. Et tous ces matériaux qu'ils ont utilisés. Et ça venait de la République démocratique du Congo où on enrichissait les autres États parce que nous sommes en chômage de masse. Nos populations ne travaillent pas. Dans ces contrats-là, vous voyez que tous les contrats que nous faisons avec les autres, nous parlons toujours, nous avons un édifice. Nulle part, on parle combien d'emplois ça crée. Nulle part, on parle combien des cotisations sociales, que ça rentre dans le système congolais. L'évaluation doit être faite. Oui, il faut qu'on évalue. Il faut qu'on évalue. Déjà, le rapport de l'IGF, en soi, est une... Oui, c'est une évaluation, mais maintenant, il faut que c'est d'où. Il faut... Le pays a des pieds, gauche et droite.
Le droit, c'est les institutions. Le gauche, c'est le secteur privé. C'est-à-dire que chaque pays voit ses intérêts à travers les entreprises qu'il y en a dans le territoire. Donc aujourd'hui, nous devons maintenant chercher, parce qu'on a perdu beaucoup. Trois quarts de ces choses-là, vous allez voir que ces gens-là nous amènent leurs chômeurs ici. Pourtant, nous avons des chômeurs d'abord en masse ici. Vous comprenez? Et dans ce type de contrat, ça peut, doit développer les entreprises locales. On doit donner aux entreprises locales. Vous voyez que ce type de contrat, lorsque c'est un étranger qui arrive et quand il a besoin d'acheter le pneumatique, il donne encore à son frère de nationalité. Ça ne risque pas de poser problème entre l'État congolais et l'État chinois? Non. Quand on demandera la... Non. Le la Chine est aujourd'hui le premier producteur. Mais c'est logique. Dédommagement. Lorsqu'un contrat, j'ai des avocats. Je pense pas qu'ils vont le contredire. Lorsqu'un contrat... C'est nécessairement la faute de la Chine. Si non, mais lorsqu'un contrat n'est pas respecté, qu'est-ce qu'on fait? On demande des dommages. Ce contrat, il faut indemniser. Ce contrat a commencé 2008. Donc 15 ans. Décennie, et plus la moitié de décennie. C'est-à-dire que 15 ans, tout ce qu'ils ont récupéré, ça crée de la valeur ajoutée de l'autre côté. Et nous, de notre côté ici, ce qu'on a estimé avoir, on n'a pas pu collecter ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le rapport de avant force. De recommencer, mais le rapport de force, c'est comme ça. Le rapport là de on force. Est en économie. On est en échange de business. Justement. Et l'échange de business, le rapport de force, vous pouvez avoir le rapport de force, mais vous avez besoin des ressources de l'autre. Vous pouvez être une grande société, mais le fournisseur, vous n'allez pas le tuer. Parce que vous avez besoin de fournisseurs pour exister. Donc, aujourd'hui, c'est d'où la nécessité que j'ai dit. Que nous pouvons plus signer des contrats où nous voyons que l'édifice comme Paul Maréchal, comme Palais du Peuple, vous savez, on parle que du Palais du Peuple. Et vous avez déjà entendu qu'on vous a dit Palais du Peuple a créé combien d'emplois et combien d'entreprises du côté congolais ont été mixées dans ces projets. C'est ça le vrai problème. Et en économie, on appelle ça quoi? Éléphant blanc. Parce que du côté congolais, il n'y a pas vraiment de grands atouts. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas. Et c'est les autres qui ont gagné dans l'histoire. C'est d'où la nécessité. Le président Tshisekedi, qui a commencé comme entrepreneur, il sait de quoi je parle. Et d'où la volonté qu'il a, c'est il faut, le président Tshisekedi cherche dans chaque domaine appelé démocratie du Congo, les acteurs du secteur privé capables à l'accompagner. C'est comme ça que les choses se font dans tout le pays. Comment négocier? Parce que nous sommes... Je suis d'accord avec vous, monsieur le DG. Comment négocier avec l'État chinois en évaluant ce rapport qui a été conclu avec les entreprises privées chinoises, comment aller vers l'État chinois sans, en gardant les bons rapports avec les privés chinois? Non, mais le privé chinois sont très pris. C'est pour ça que vous avez vu que l'ambassadeur était dans son rôle politique. C'est quelqu'un qui représente les intérêts de son État. Et sauf qu'au Congo, nous croyons que l'entreprise privée congolaise ne représente pas l'État. Ça s'est fait dans aucun pays du monde. L'entreprise privé congolais représente les intérêts de l'État. Je suis donc en train de parler de la signature du contrat directement d'État à État. Oui. Justement. Oui, mais maintenant, c'est pour ça que je disais, il y a une concession qui s'est faite. Mm-hmm. Il y a des représentants de l'État congolais. L'État congolais a des éléments concernant ce contrat. Parce qu'il était signataire parmi les gens qui étaient dans la table. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi représente les intérêts des Congolais. Mm-hmm. Et quand il a une visite officielle en Chine, il profite à l'occasion pour dire aux dirigeants chinois en disant « Regarde tel contrat que les entreprises de ton État a signé chez moi. » Et ces contrats, il faut le revoir. Ça, c'est dans le rôle du président de la République. Il peut le faire. Aujourd'hui, nous, spécial autogarage, si nous avons des activités aux États-Unis et que nous sommes menacés, le président Tshisekedi, lorsqu'il arrive aux États-Unis, il peut défendre parce que c'est une entreprise congolaise. Donc, c'est comme ça que les choses se font. Maintenant, moi, mon problème, c'est quoi? Nous devons comprendre que nous sommes en retard en République du Congo. Il faut que chaque accord que nous signons avec les autres, nous regardons si nos vrais problèmes, c'est quoi aujourd'hui? L'exode, le chômage des masses, l'infrastructure qui est absente, les entreprises congolaises qui ne sont pas compétitives. Il faut permettre aux entreprises congolaises de devenir compétitives. Il faut qu'on crée de l'emploi. Il ne faut pas que nous prenions des chômeurs des autres et les investir dans le marché congolais. Et quand ces gens-là arrivent sur le terrain, quel est leur comportement? Nous voyons quand il a besoin de bidons d'huile, il achète aux frères de nationalité. Et c'est d'où la nécessité de faire comprendre que dans ces genres de clauses, lorsque vous installez dans le territoire congolais, vous devez cohabiter aussi avec des entreprises des capitaux congolais. Et c'est comme ça que le Congo peut faire utiliser l'expression gagnant-gagnant. Si ils arrivent ici, vous pouvez sionner dans la ville de Kinshasa. Les communautés qui réussissent en affaires. Si vous le voyez même dans un petit malheur à Congolais, à mon frère, je viendrai vous donner cette farde-là. Vous comprenez? Et c'est comme ça que l'État protège ses intérêts. Ses intérêts, il doit voir que dans tout ce qu'on est en train de faire, que les boîtes congolaises
puisse être dans l'écosystème. Aujourd'hui, les boîtes congolaises, nous sommes en difficulté. Vous dites l'État, c'est, sauf ceux qui sont nommés par le donneur présidentiel de portefeuille, même eux ne comprennent pas les entreprises de portefeuille qu'il faut travailler avec les PME congolaises pour faire le système. Pourquoi la SNEL est en difficulté aujourd'hui? La SNEL est en difficulté parce que le portefeuille des entreprises privées est faible. On ne peut pas bâtir une entreprise qu'uniquement avec le particulier. C'est ça le vrai problème. Or, si la SNEL cohabite avec les entreprises comme Spécial Auto Garage, la SNEL va avoir un client. Si Spécial Auto a 50 centres en République démocratique du Congo, qui va donner l'énergie? C'est la SNEL. Donc aujourd'hui, le 21e siècle, les États, on connaît leurs muscles par leurs entreprises. Nous sommes parmi les États au monde où nos entreprises ne sont même pas ici dans le continent africain. Nous sommes replis et nous subissons. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi doit revenir le VRP du monde des affaires de la République démocratique du Congo. Il faut que le président, moi, j'ai écrit au président Tshisekedi la semaine dernière de nous consulter, de travailler aussi avec nous le secteur privé. Moi, depuis qu'il est devenu président public, je suis à Kinshasa, je ne vois même pas mes enfants. Pourquoi? Pour les accompagner et le politique. Mais le prévenait 4 ans sans contrat, sans financement, et, mais les échanges s'est fait. 4 ans, si on avait même des contrats avec la SNEL, Régie des Eaux, OCC, ainsi de suite. Le résultat est bien maigre. On pouvait permettre à créer de la valeur à la démocratie du Congo. Mon compatriote a commencé comme chef d'entreprise à Bruxelles. Un État sans chef d'entreprise, c'est un État très en ruine. Par où commencer? Par où commencer pour imprimer ce modèle économique à la République? Oui, mais par où commencer? Il faut relancer le PME. Première chose, on compte de ce que vous avez. Aujourd'hui, nous avons la charpente qu'on appelle les entreprises de portefeuille. Il faut que le président Tshisekedi fasse de sorte que chaque entreprise de portefeuille puisse travailler avec le PME congolais qui sont dans le sol. Celui qui ne respecte pas, il faut les amendes. C'est ce que tous les États font. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les entreprises comme Sonance. Vous pouvez aller recenser chez Sonance là-bas combien de garagistes en République démocratique du Congo travaille avec Sonas. Vous comprenez? On t'assurait leur garage auprès de Sonas. Non, mais pour assurer un garage, d'abord Sonas donne le travail chez ces garagistes. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller qu'on vous assure, il faut donner le chiffre d'affaires aussi à ces garagistes-là. Et en faisant, même par exemple, fonds de promotion industrielle. Vous pouvez nous citer combien de garages qui travaillent, fonds de promotion industrielle, devaient être le client de la plupart des garages en République démocratique du Congo. Donc c'est-à-dire que c'est ça le vrai problème. Il faut qu'on change la façon de faire en République démocratique du Congo. Nous sommes en retard. Et en étant en retard, il faut regarder toujours qu'est-ce qui nous manque, comment on doit faire. Créer de l'emploi en RDC, c'est un petit problème en RDC. C'est un petit problème. Je vous ai montré ici. Ça veut dire que ce plan de développement va nous prendre moins de 4 millions de dollars. Moins de 4 millions de dollars, mais nous avons combien de emplois? Combien? On va créer combien d'emplois? 500. 2500 emplois sur les 12 villes congolaises. Et il y a aussi des retombées fiscales. Parce que il est hyper, il sera payé. Ils vont payer l'impôt. Oui, mais normalement, ces gens ne vont pas travailler du côté de l'informel. C'est-à-dire que c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons maintenant tabler sur les entreprises qui ont un modèle économique. Et faire de sorte aussi que les entreprises de portefeuille puissent travailler avec... C'est parce qu'on vous nomme DG. Et vous cohabitez. Vous voyez les DG des entreprises de portefeuille avec les DG du côté privé congolais? Merci beaucoup. Ils sont pointés ici sur la place de Kalina. Ils sont... Côté sous la place de... Normal. Mais le problème aussi, Maître Bamana, vous qui êtes politique, c'est aussi la politisation des entreprises publiques. Les personnes qui pilotent les entreprises publiques aujourd'hui, ce sont des personnes qui nécessairement ne sont pas qualifiées pour piloter, mais ce sont des personnes qui viennent des partis politiques. Et à la lumière des constats sur le terrain, les résultats ne sont pas assez bons. Les entreprises publiques de l'État ne sont pas enviables aujourd'hui. La politisation du secteur des entreprises publiques a montré également ses limites, selon vous. Merci beaucoup. Avant même d'aborder, de répondre à votre préoccupation, à votre question de tout à l'heure, je voulais ici signaler que le passage du président en Chine, c'est vrai, quelqu'un a abordé la question des entreprises congolaises. Des MOU qui ont été obtenus là-bas, il y en a eu d'abord 5 dans les domaines de la sécurité, domaine économique, domaine minier, dans les domaines industriels, et il y en a 5 comme ça. Infrastructure aussi. Et après cela, le président
a prolongé son périple auprès des industriels. Vous savez, derrière un homme, je prends l'exemple de mon co-débatteur d'en face, il a un garage. Mais pour que ce garage-là puisse atteindre les objectifs qu'il lui-même s'est assigné, il faut qu'il se fasse entourer d'une main d'œuvre qualifiée. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, en ce qui concerne les entreprises, puisque le Congo n'a pas d'entreprise privée. D'abord, le Congo, lui, n'a pas d'entreprise qui peut aller signer là-bas pour le moment. Les entreprises. Et la majorité des entreprises qui se sont fait représenter là-bas, ils se sont représentés par leur ministère de tutelle. Les entreprises congolaises, je dis bien. Le secteur public. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Je suis en train de parler, par exemple, dans le secteur énergétique. Il y a un ministre qui est là-bas. Dans le secteur minier, il y a un ministre qui est là-bas. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a des... Alors que les soucis de mon congolais en face, c'est que les entrepreneurs eux-mêmes soient sur le terrain. C'est ça votre souci. Je vais vous répondre. Oui, je vous en prie. Mais si vous dites que le Congo n'a pas d'entreprise, mais tous les jours, on voit, on nomme les gens à la tête des entreprises. Non, je parle d'abord dans les entreprises du secteur public. Mais oui, là, c'est le public. C'est qui sont nommés par ordonnance. C'est ce que j'ai dit. Qui ont été représentés par les ministres des tutelles. Mais pourquoi pas les amener? Parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Bon. C'est eux qui connaissent la réalité. Je peux considérer ça comme un problème qui vient d'être posé. Et le gouvernement qui nous suivra, ces incendies qui vont nous suivre, sauront quoi faire. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne parviendra pas à appliquer tout ce qui vient d'être convenu en Chine si on n'implique pas les spécialistes ou ceux qui sont dans les 10 domaines. J'ai fait comme travail, mon travail de cycle, j'ai parlé de l'exercice du petit commerce en République démocratique du Congo. Et j'ai parlé de ce qu'on appelle la promotion de l'entrepreneuriat national. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, moi je ne peux soutenir que l'idée, je peux soutenir l'idée de voir le Congo ou les dirigeants congolais aider les entreprises congolaises à aller de l'avant. Donc la question que vous venez de poser, elle est vitale, elle vaut son pesant d'or. Mais pour le moment, au stade actuel, puisque le Congo vient... Il faut pas aujourd'hui essayer de trop parler de ce que la France a fait. La France a déjà de l'avance dans les 10 domaines. Mais nous sommes encore dans les secteurs, dans ces domaines ou dans ces secteurs, nous sommes encore en train de nous chercher. Donc le premier voyage peut être un voyage précurseur. Je pense qu'il y aura un autre voyage qui va permettre que les entrepreneurs eux-mêmes soient accompagnés, qui descendent sur les lieux pour essayer d'établir les liens directs avec les industriels de l'autre côté, afin de trouver un modèle pouvant le permettre soit d'amener ces investisseurs chez nous. Comme vous l'avez dit tantôt, vous avez parlé d'une entreprise qui travaille chez nous ici, mais qui ne respecte pas les droits congolais. Lorsque vous avez, par exemple, une grande entreprise étrangère, lorsqu'il arrive ici, il ne doit pas garder, il ne doit pas opérer chez nous sous les labels qu'il a de l'autre côté. Vous avez Tenke Fungurume Mining, par exemple. C'est une filiale d'une société mère qui est en Chine. On a cité même son nom, j'ai oublié tout ça. Mais ici, c'est une société de droits congolais, créée chez nous ici. D'où la question est que, la première des choses, il faut d'abord que les dirigeants, les gouvernants, puissent poser les bases. Puisque si les gouvernants ne posent pas les bases telles que le président l'a fait, même si on envoyait des entrepreneurs congolais ou les entreprises congolaises, ils ne vont rien faire. Pour preuve, les entreprises qui sont ici sur place, vous voyez un peu ce qui se passe. Le président qui a fait confiance d'abord à ses collaborateurs, il a mis Marcel Bilombaye, comment on l'appelle encore, Michel Abadie, Sona Hydro. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Pensez-vous vraiment qu'on n'a pas des gens qui peuvent être à la tête de son... Moi qui suis en face, là, je suis en train de parler. Je suis en train de toucher le secteur public. Toi, tu es un privé. Oui, je suis un privé. Vous mais comprenez. Il arrive aussi dans le moment de l'histoire. Oui. Je vous donne l'exemple. Le président Hollande arrive au pouvoir. Oui. Il comprend que liquidité du côté de là, parce que l'entreprise n'est pas financée à Oui. D'abord, l'ancêtre de l'industrie, c'est d'abord l'entreprise des services. Oui. On ne peut pas promouvoir l'industrie. Vous voyez, ma marque là peut devenir une industrielle en fabriquant même des batteries ici. Tout à fait. Personne n'a commencé industriel. Tout à fait. Voilà. Il faut avoir l'approche économique. Oui, oui, le président Hollande arrive à la tête de la République française. Les entreprises françaises n'étaient pas compétitives par rapport aux Allemands. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il va transformer une institution financière qu'on appelait à l'époque OSEO en France. Oui. Et pour le faire, une banque publique d'investissement. Chose que j'ai toujours demandé au président Tshisekedi.
Parce que sans financement, vous n'aurez pas les entreprises. Il faut financer les entreprises. Alors, il le transforme, mais à la tête de cette entreprise d'État qui finance les entreprises, cette banque publique, il va aller chercher un homme à succès de l'entreprise. Un chef d'entreprise du bord privé. La France a toujours fait ça. Il prend ses chefs comme vous. Prenez Mathieu Takisala, on le met. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui connaît le monde de l'entreprise, comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, c'est le succès de l'économie française. Donc aujourd'hui, moi j'ai toujours demandé, arrêtons de politiser les entreprises d'État. Parce qu'aujourd'hui, nous avons laissé 163 ans où on nomme les gens parce qu'ils viennent des carcans politiques, où les Congolais qui connaissent le monde de l'entreprise, on les néglige, les résultats sont bredouilles. Et on ne peut plus continuer à rester avec les entreprises portefeuille des 100%. Vous savez que vous êtes entré dans mon timing. Merci beaucoup. Je vais vous dire, bon, je vais chuter en disant que tout ce que vous dites est important. Mais lorsque nous avons connu ce qu'on appelle les triptyques zaïrisation, rétrocession et nationalisation des entreprises, les entreprises laissées par les Belges ici qui ont été confiées, bon, pas les Belges, mais les étrangers dans son ensemble, les investisseurs étrangers, qui ont été confiés entre les mains des Congolais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des politiciens, aujourd'hui, la zone industrielle délimitée, qu'est-ce que là, c'est là? Trois quarts, c'était des politiciens. Je m'excuse. Qu'est-ce que cela nous produit aujourd'hui si ce ne sont pas des églises? C'est devenu des quartiers résidentiels. Donc ici, la première chose est que d'abord, l'entrepreneur congolais se prenne au sérieux. Papa, on ne donne que ce qu'on a. Si l'entrepreneur congolais ne se prend pas au sérieux, tel que vous venez de le dire, papa, c'est l'étranger qui va venir. Nous allons commencer même à importer la main d'œuvre, si possible. Mais c'est ce que vous faites pendant 60 ans. Ça veut dire que l'entrepreneur congolais est sérieux, mais il n'est pas encouragé. Voilà pourquoi le président Félix Antoine Tshisekedi est allé pour essayer de revoir les choses, de les répandre et de poser des nouvelles bases pour que nous puissions repartir sur un nouveau départ. Merci beaucoup, maître Bamanaï, Eric Bamanaï, qui vient de donner son point de vue sur cette question. Maître Ngoma, votre question que je pose, c'est justement la politisation des entreprises publiques. Les résultats n'est pas bon. À côté de cela, il y a également le manque de financement des entreprises publiques, le manque d'accompagnement financier des entreprises publiques. Ces problèmes résolus peuvent d'abord résoudre le problème de chômage de masse en RDC, peuvent créer des emplois, peuvent relever le niveau économique. Est-ce que déjà au niveau interne, on a essayé d'évaluer la capacité de création d'emplois avant d'aller négocier avec les partenaires étrangers? Je ne pense pas, Dan, que ce travail a été fait en amont. Et moi, Claude Ngoma, je milite toujours, je suis toujours contre la nomination de nous, les politiques, à la tête des entreprises publiques. Parce que si aujourd'hui l'ONATRA atteint le SCPT, plus de 80 mois... Il n'y a plus de wagons, hein? Oui, plus de 80 mois d'arriéré des salaires, c'est parce qu'à la tête, il y a eu toujours des politiques. Mais Dan, n'ayons pas froid aux yeux pour le dire. Moi, Claude Ngoma, mon parti aujourd'hui me met à la tête de la SONAS. Mais primo, je dois d'abord servir les intérêts du parti. C'est là où c'est la balle qui tue nos entreprises aujourd'hui. Et moi, je suis contre ces pratiques. Des caisses des partis politiques. Voilà. Et en moindre mobilisation, voilà, on va vous demander, tel DG, toi tu dois donner 20 000, toi tu vas nous donner 100 000 balles pour réussir notre organisation. Une grande manifestation publique. Mais non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Aujourd'hui, toutes ces entreprises ici publiques devaient être déclarées en faillite. Je ne vois pas par quel miracle, par quelle magie, le gouvernement ici peut relancer toutes ces entreprises. Et sortir toutes ces entreprises publiques de cette zone rouge qui s'y retrouve. Je ne vois pas. Hein, Dan ? Il n'y a pas de solution. Non, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est de privatiser ces entreprises. C'est de privatiser. Mon cher ami, vous savez que la privatisation aujourd'hui est mal conçue ici en interne par les Congolais. Vous voulez parler de la libéralisation ou bien privatisation ? Privatisation. Moi, je parle de la privatisation parce qu'il faut relancer, il faut reconstruire. Voyez-vous? Il faut reconstruire. Et ici, on voit très mal. Vous ne voulez pas privatiser. Les entreprises sont déjà libéralisées parce qu'ils ont stangé et comment on a changé de statut. Aujourd'hui, ce sont des entreprises commerciales.
Voyez-vous? Mais pour quelle incidence économique? On a donné à toutes ces entreprises le caractère commercial, mais la même situation d'arriéré des salaires persiste. On ne sait même pas relancer, mettre en place un plan de relance de toutes ces entreprises publiques. D'où moi, Claude Ngoma, je parle de privatisation pour pouvoir relancer toutes ces entreprises. Il faut privatiser. Il faut privatiser pour relancer. Je ne vois pas. Nous avons ici, on nous a créé ici Congo Airways. Congo Airways. En moins de 10 ans, une entreprise aérienne disparaît. Vous savez pourquoi il disparaît? Parce qu'il n'y a pas un socle productif. Voilà. Normalement, l'entreprise aérienne doit développer dans un pays où il y a plus d'entreprises dans le secteur privé. Parce que ce sont ces gens-là qui vont se développer. Et normalement, quand on nomme les gens à la tête de ces entreprises, il faut faire ce qu'on appelle le plan social. Voilà, j'arrive. Pour finir. Oui. Et donc, moi, je demande à ce que le gouvernement puisse mettre en place un plan de relance. Un plan de relance des entreprises. Et j'ai aimé qu'on... Il faut mettre les privés à la tête de toutes les entreprises publiques. Voilà, il faut mettre des privés pour relancer, parce que je ne vois pas comment le gouvernement peut relancer la STPT. L'OCPT ici à côté, je ne vois pas. Et qu'est-ce qu'il faut dire? À côté d'un plan national de relance des entreprises publiques, il faut penser à mettre en place une banque d'investissement. Pourquoi? Parce que nous pouvions beau dire, déjà. Mais posons-nous la question. L'accès au crédit en RDC, le pourcentage est à combien? Même la bancarisation est aussi très faible au Congo. Très faible. Tout ça parce que on ne sait pas, l'État ne sait pas créer les moyens devant permettre aux gens de pouvoir avoir l'accès au crédit. D'accord. Aujourd'hui, Dan, pour avoir un crédit, même mon frère Takis qui est ici, s'il veut contracter un crédit dans une des banques privées ici, on va lui demander tout un tas de papiers. Avec des garanties colossales. Ça fait 7 ans que nous, on travaille en fonds propres. Voilà. Il y a une entreprise ça, avec des ambitions qui paie encore déballer tous ces problèmes. C'est l'État. C'est l'État congolais. Donc, moi, je parle grosso modo, je cite par là, il faut réorganiser notre industrie. Il faut réorganiser les services, les secteurs de l'emploi. Secteur de l'emploi. Voilà. Il faut réorganiser le secteur de l'emploi. Monsieur Mathieu Takizala, pour combien de temps pensez-vous qu'on peut résoudre ce problème et quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour que nous puissions justement y arriver? Si l'on voit, on constate que ceux qui gagnent au Congo, les entrepreneurs à succès au Congo, ce sont les expatriés, ceux qui viennent d'Asie, chinois, libanais, indiens. Comment renverser cette donne? Vous savez, quand Sarkozy arrive au pouvoir... Il n'y a pas de problème. Je donne l'exemple. Quand Sarkozy arrive au pouvoir, il comprend qu'il y avait un problème dans le secteur du business français. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée une commission. Et dans cette commission, il récupère quelques professionnels sectoriels. Et à la tête, c'était un Louis Gallois. Et dans le milieu, tout le monde le respectait. Parce qu'il a géré des gros comptes, SNCF, tout ça, ainsi de suite. Et ils amènent le travail. Parce que ce travail est pondu par ceux qui sont sur le terrain. Moi, j'ai écrit au président de Tshisekedi, même au premier ministre, même au président de l'Assemblée nationale, de faire ce qu'on appelle, et même le VPM de l'économie, qui est confrère parce qu'il a fait de l'économie. J'ai dit, il faut créer ce qu'on appelle le conférence économique et de business en République démocratique du Congo. Et là-dedans, on compte d'abord avec ceux qui sont sur le terrain. Parce que les entreprises en République démocratique du Congo sont en difficulté. Trois quarts des entreprises de et de business en République démocratique du Congo. Et sur le 26 aux provinces, les délégués vont. Ce sera des chefs d'entreprise, pas sur le papier. Les gens qui ont des. Parce qu'au sein d'une entreprise, il y a toujours un plan de développement. Le plan de développement dans un pays, ce n'est pas uniquement ce qui est proclamé du côté de l'étatique. C'est aussi l'épaissière de ce qui est élaboré par des entreprises. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, il faut mixer entre les entreprises publiques et les entreprises privées. Parce que les PME qui sont en démocratie du Congo n'ont pas de travail. Il faut faire aussi que le travail qui sont du côté des, par exemple, les grands travaux, il faut que les entreprises du petit PME, petite et moyenne entreprise congolaise, soient aussi bénéficiaires du contractuel. Parce qu'aujourd'hui, à quoi sert d'avoir une entreprise et vous n'avez pas de contrat? Vous attendez monsieur le maître qui est en face, mais il ne viendra pas tous les jours. Il faut qu'on audite tout ce qui se passe ici. Il faut freiner l'informel. Il faut freiner l'informel, parce que c'est l'informel qui fait aussi une concurrence déloyale aux entreprises qui sont installées en République démocratique du Congo. L'informel est dans tous les secteurs, et cela ne peut pas permettre aux entreprises. Moi, j'étais par exemple, mon entreprise était celui qui maintenait le véhicule de Nestlé en République démocratique du Congo. Vous savez que Nestlé est parti pourquoi? L'informel.
On a préféré de prendre l'industrie laitière qui rentrait vers Loufou et de, que Nestlé parte. Or, Nestlé, en étant un prix Mokati du Congo, travailler avec le PME en prix Mokati du Congo. Il faut vraiment travailler avec des acteurs. Mm-hmm. C'est avec des acteurs sur le terrain que ça va permettre de réformer le système de financement. Il faut aussi avoir la main-d'œuvre. Il faut. La main-d'œuvre, il y en a, mais la main-d'œuvre pour l'avoir, il faut. C'est à l'intérêt des entreprises. Très bien. Aujourd'hui, à l'intérêt des entreprises, ça peut avancer. Mais comme on a laissé de côté l'informel, vous voyez, même le Parlement peut venir, devenir aussi une source pour les entreprises et le PME. Très bien. C'est ce qui s'est fait. Et le président Olusegun Obasanjo avait fait au Nigeria. Tout à fait. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui les Dangote, tout ça, ont profité de cette manne étatique, ont permis que leur ingéniosité puisse créer de la valeur. Aujourd'hui, nous, les entrepreneurs congolais, nous sommes là sur le terrain, sauf que le paix du travail qui sont de côté étatique, personne ne nous donne. Merci beaucoup. Ceux qui touchent, ceux qui ont de l'emploi dans RDC, dans les entreprises publiques, pour la plupart, ont des connaissances avec les autorités. Ce qui est malheureux. Et c'est vraiment désolant. Ce n'est pas vraiment les compétences qu'on privilégie au Congo, c'est les connaissances, la familiarité. Maître Bamanaï, on va chuter avec vous. Quelles sont les solutions pour aider le président Tshisekedi au cas où il était élu pour un second mandat, pour qu'il puisse laisser des empreintes dans ce secteur-là? Merci beaucoup. Je pense que le voyage du président de la République, donc l'actuel ou le récent voyage en Chine... Deux minutes, s'il vous plaît. En est une bonne illustration, donc, sur le plan de son contenu. Vous comprenez, donc ça veut dire que le président est allé parce qu'il y a une matière de droit. Il y a ce qu'on appelle les contrats. Et lorsqu'il y a un contrat, il y a la présence des parties. Et les parties sont appelées à s'obliger mutuellement. Et dans ces obligations que les parties doivent se donner, il y a des devoirs, il y a des droits que les parties sont appelées à respecter. Donc, il y a un adage français qui dit « Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais dirigeants ou des mauvais chefs. » Je pense que le fait d'aller revisiter les contrats chinois, non seulement que ça va se limiter au niveau des dirigeants, mais les retombées même de cette nouvelle, application, va profiter non seulement aux dirigeants, mais ça va profiter aussi à la population congolaise qui attend beaucoup de cette relation entre la Chine et la République démocratique du Congo. Nous félicitons le président de la République et c'est une occasion pour moi aussi de remercier mes co-débatteurs avec qui nous avons passé. Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à la régie. Merci à Jemima Panzou et à toute la grande équipe qui se trouve derrière la baie vitrée. Nous vous disons énormément merci de nous avoir accompagnés. Grande Tribune, c'est demain à nouveau. Portez-vous bien.